À Gabaon. À ce pays-là, il faut que les copains s'amènent.
de amonisa mi epanye na zela ndoto. Pour dire à Salomon de demander tout. Pour la proba na Salomon na asenga nyoso. Et Salomon a demandé la sagesse. Et Salomon a asenga nyoso. Sur la sagesse. Nicolas a gagné. Dieu ajouta la richesse. Nzambe a bâti ses. Il s'est levé le matin. Yeah, l'amour. Moi je croyais que tout allait s'arrêter là. Ngai na zoka za kenyo se kokai ko kawa. Mais voilà ce qui nous intéresse. Salomon s'éveilla. Salomon a l'amour. Voilà les songes. Talandoto. Salomon levait ta chemise à l'air. Salomon a amené à Jérusalem. Et se présenta devant l'arche de l'alliance. Il offrit des holocaustes et des actions de grâce. Mais pourquoi il a commencé à offrir à Gabaon? Parce que le texte montre que Gabaon il a donné 1000 holocaustes. L'offrande qu'il a donnée ici, le nombre n'est pas promis. Et un petit détail, après avoir offert à Jérusalem, si moi, je ne sais pas si vous avez dit ça, mais le texte dit ceci. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Il a sali et là, nous devons te dire pour la passer à l'Union. Il y a le festin. Après le festin, il y a le jugement. Il remet au propriétaire du fils. C'est-à-dire qu'ici dans Jérusalem, il y a l'offrande. Il y a le festin. C'est là où Salomon va soulever son épée. Je crois que c'est ça toute la Bible, n'est-ce pas? Parce que tous ces mouvements ont une signification. Alors nous nous sommes dit, cette démarche de Salomon doit avoir une explication. Comment dans Jérusalem? Mais à la place de commencer à Jérusalem, lui part à Gabaon pour donner l'offrande. Des mille. Quand il termine, Dieu lui est apparu par le sang. Il se réveille. Il part encore à Jérusalem. Accueillir Jésus dans Jérusalem. Pour donner une autre offrande. Il fait un festin. Il y a sali là. Et directement, il soulève l'épée. Pour apporter la justice. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et qu'il vous accorde l'intelligence de me comprendre. Que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre le message. Nous comprenons quelque chose. Pourquoi Salomon est allé à Gabaon? Pour Salomon a été à Gabaon. Je fais l'étude du texte. Pourquoi il est allé à Gabaon? Pour à Gabaon. Alors qu'il y a Jérusalem. Kasi Tozalani na Jérusalem. Un petit résumé. Tozo songe la makamoto roba. Un petit rappel. Tozo songe la makamoto roba. Qui sont venus seulement aujourd'hui. Un petit rappel. Au temps de son père David, là je vais donner l'explication de tous ces mouvements. D'ailleurs, vous êtes élevés, vous qui êtes venus aujourd'hui et qui me suivez partout dans le monde, parce que cette écriture a été écrite pour que vous receviez son explication. Vous allez m'attirer le Seigneur pour le nom de la compétence pour les connaissances. Moi je crois que s'il n'y a pas l'explication, il y a la mort. C'est pas, c'est
c'est pas pour rien, le roi a dit. Et ça pas maté au côté. Qu'on me donne les songes sans l'explication. Bapé sa main dans ton animal. S'il n'y en a pas, ceux qui avaient dit, tu veux tout ce monde. Comment va-t-il bien ça? Vous serez d'accord avec le roi de Boukotrozo que là où il n'y a pas l'explication et les songes, il y a la mort. Donc, on a la tombe numéro 1 dans mon petit Boukotrozo. Et c'est qu'un animal est un autre dans l'intérieur. Mais ici, Kassi, alors, vous avez les songes. Il vous a dit un autre. L'explication. Vous appelez un animal. La mort est tout. L'Iwa est un pro. Mais toute église, il n'y a pas d'explication, il y a la mort. Et si t'as l'ion sur l'Iwa, pas l'ion sur l'Iwa, les alités, l'Iwa est un. Et Dieu t'a aimé les morts. Dans le temps, il y a qui motive. Il a envoyé son fils. A dit ni moi, nana. Le fils. Sauf à moi, nana. C'est l'explication du père. A zalim ni moi, la tata. Mais pourquoi ta vie a fait ça? Pourquoi ta vie? Séparer les deux lieux. À ta bonne visite à l'Ibano. Je vais donner le pourquoi. Non, on peut sortir dans l'amour. David habitait à Jérusalem. David demandait comment dans Jérusalem. Il a songé transporter la chair. Il a parti dans le coup à Sandou. Voilà ce qu'il a fait. Dans la voie de Sandou. L'arche se trouvait chez qui? Chez qui? Sandou, mais Zaki. Chez qui? Zaki. Papa Rouki. Chez Obed et Don. Et Zaki, Obed et Don. Mais je vais donner le pourquoi d'Obed et Don. Non, non, mais ça. Il y a Obed et Don. Qui gardait l'arche. Et on a combattu la Sandou. Maintenant, David a fait ceci. C'est quoi? Là où il y a ça, il est allé chez Obed et Don. Il y a quelqu'un qui Obed et Don. Il a transporté l'arche. Alors, on est Sandou parmi nous. Il amène l'arche de Jérusalem. A soumis Sandou pour la Jérusalem. Sous une tente. Nasser et maman. Oh, j'aime ça. N'a rien à l'égard qu'à nous. Avant que l'arche soit dans la tente, l'arche était à l'extérieur. Il y a un mot Sandou qui est dans la tête à Emma. Et vous avez qui n'a pas de. On a sorti ça dans l'arche. Babimissi, Sandou, dans la Katia. Il a voyagé jusqu'à entrer. Et Sali, mon père, mon qui n'a pas de la Katia, il m'a dit Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que David a fait? C'est quoi? T'as oublié Sali? Parce qu'il a déplacé l'arche. Le roi, il y a le roi de Sandou, que c'est que dans la Katia. Qu'est-ce qui est resté dans Gabaron? Oui, les tigres dans Gabaron. Les tabernacles. Les tigres dans Gabaron. Hôtel de l'Ocos. Hôtel Yahoo. Kim Ferret. Kim Ferret. Chandelier. Et tout. Ouverture, par obésité blanche, par nzété ma barrière. Et David a ôté ses manaches. David dit à le roi qui n'a qu'à sa nous, il les transporte dans Jésus. Amené à mon à Jérusalem. Pour qu'il s'arrête là, prier à ce qu'à on ne s'est pas arrêté là. À ce qu'à on a dit. Voilà l'explication claire. Dans la Nicolas, il a pris les sacrificateurs. Il a su par l'ensemble. Vérifiez ça dans 1 Chronique chapitre 16. Tout à l'heure, dans le candard, il y a ma chronique. Strictement interdit de raisonner, on doit respecter les grâces. 1 Chronique chapitre 16. Vérifiez, vous commencez par le premier jusqu'au deuxième verset. Mais voilà la décision que les prophètes nous donnent. Voilà ce qu'ils donnent. Verset 38-39. Pour la même compréhension, verset 36. Et descendez jusqu'au verset 41. Suivez-moi, je vous en prie, suivez. Écrivez et regardez-moi ça. Lui, je regarde. Pendant qu'on transportait l'arche, n'attends pas à ce avant que l'arche puisse atteindre Jérusalem, Jérusalem, l'arche était accompagnée par les cantiques. Sanoukou, Yamoukou, Kamamakina, on chantait les cantiques. L'arche ne marchait pas seul. Sans doute que le temps de la mort côté les cantiques. Et Zalaki n'a pas le même pour le déploiement. Mabina. Jusqu'à l'introduire dans la tente. Qui n'a pas quoi tu serais là? Et qui a transporté l'arche? Banani Pamela qui? Sans doute. Très bien. Arrivé là. Coco Mahana. Voilà ce que le texte dit. Dans la parole du premier nom. Je suis dans le verset 37. David laissa là devant l'arche de l'alliance. David dit, Atika qui wana l'imposteur Sanouk et Woka de l'Éternel. Yahweh. Azaf et ses frères. Azaf et Bandekona Nibal. Afin qu'ils fissent continuellement les services devant l'arche. Pour pas moi, pas comme Mosala l'imposteur Sanouk. Verset 39. Il établit les sacrificateurs Tchadok et les sacrificateurs ses frères devant le tabernacle. Si le haut lieu qui était à Gabon. Il est attiré dans l'ensemble de Tchadok. Pour la qui va me connaître, il faut soya mon bon pour y aller au cause
Donc quand vous allez à Jérusalem, vous entendez mon message mon chant. On lui a donné quoi? Papa Sieni.
beaucoup de parfums. Papesie, papa, afin qu'il les offrit avec. Toi, personne n'a mort et le mot. Les prières de tous les saints. Non, bah, le sang de Dieu. Si l'autel dort. L'icône tombe le haut. Et devant le trône. Où est-ce qu'il faut se faire mourir? C'est-à-dire. Il dit quoi? L'ange suis sur l'autel. Moi, j'ai l'icône tombe. Il donne le parfum. Il y a un peu sa malasse. Et les prières de ce Dieu.